Ces deux acteurs ont improvisé l'une des scènes les plus mythiques du film Le Loup de Wall Street par Martin Scorsese. Et bien sûr, je te parle de Leonardo DiCaprio et Matthew McConaughey, les deux goths de ce film incroyable. Bon, en vrai, hein, tous les acteurs du film sont des goths. Jonah Hill, John Bertal, Margot Robbie, un casting de malade pour un film de malade. En gros, c'est pendant la scène où Leonardo et Matthew incarnent respectivement Jordan et Mark et qu'ils discutent autour d'un verre qu'ils ont totalement improvisé. Dans le film, c'est au début de la carrière en finance de Jordan et il va boire un verre avec son mentor Mark qui lui explique la vie. Et surtout, qui lui explique comment tenir dans ce monde de requins, ou de loups en l'occurrence. Et d'un coup, il se met à expliquer quel est son rituel de champion en se tapant sur le torse tout en fredonnant. Et bien, ce rituel est totalement improvisé par Matthew. Dans la scène, on voit même Leonardo qui regarde derrière en direction de l'équipe technique pour savoir s'il doit continuer à jouer. Puis, il se met lui aussi à improviser et à reprendre l'air entamé par Matthew. Tout ça, c'est de l'impro. D'ailleurs, si tu kiffes Leonardo DiCaprio, je te recommande forcément Once Upon a Time in Hollywood par Tarantino. C'est un très très bon film avec un casting de fou aussi. Et bien sûr, on attend avec impatience le prochain Scorsese, Killer of the Flower Moon, qui devrait sortir en octobre.